Qu'est-ce que tu fais là, toi? Il y en a, tu en as trop? Ben prenez. Hein. Ça, c'est un peu chaud, je pense. Tiens, mon pote. Bon, du coup, là, on va aller se faire un petit tennis, puisque hier, j'ai essayé et j'ai bien aimé. Il fait très chaud, il fait 43 degrés. Ensuite, je basculerai sur le terrain et je mettrai la misère à Nico. Bon, aujourd'hui, c'est sport. En salle, mais pour. Je crois que pour la petite, non. Hein. Je viens de faire 30 minutes à taper dans ce mur. Là, là, ici, là. 1000 fois 1000. Vraiment, je vais tout dégommer demain. J'en veux plus mon corps, j'ai mal dans tout mon corps. Gros coup de cœur pour la petite nouveauté de chez les Sœurs K. La collection, elle est juste folle. Première petite tenue, on a cette petite robe en tuile. Hyper jolie. Enfin, franchement, j'adore. Elle est vraiment très jolie, très fluide et hyper agréable à porter. On a cette petite robe qui existe en différents coloris. Alors, c'est honnêtement, je pense, ma robe favorite dans ma sélection. Je la trouve trop, trop belle. Vous pouvez la porter aussi bien épaule haute. Trop belle. Là, elle est vraiment élastique pour une jolie silhouette. Elle fait vraiment de belles formes et elle est trop belle. Ensuite, jolie robe longue. Alors, pour ceux qui cherchent des robes longues, sachez que sur le site Les Sœurs K, vous en avez. Ça, c'est vraiment the petite robe pour l'été. Elle est juste trop jolie. Vous pouvez la ceinturer ou autre. Donc, vraiment très ample, très à l'aise à porter pour mettre avec un maillot de bain en dessous. Elle est très, très jolie. Elle est longue et il y a plein de coloris. Robe en coton, couleur violette, lila, très très mignonne. Voilà vraiment la petite robe que vous pouvez mettre pour aller avec des petites baskets, des petites sandales, très basique, mais très jolie. Pour terminer cet ensemble, alors j'adore, trop beau. Donc c'est un top bustier frouté élastique avec les manches aussi à ajouter. Et la jupe, c'est canon. C'est fluide, c'est léger, c'est trop joli. Les tenues sont disponibles sur le site lessœurs.fr. La nouvelle collection est en ligne et elle est juste canon. Bon, ça y est, je me suis calée dans le canapé. D'ailleurs, mon chéri vient de venir me voler les clés de ma moto. Parce que lui, retourne au tennis, mais cette fois-ci pour faire du vrai tennis avec ses copains. Parce que, pardon, jouer au tennis, je suis morte. En plus, honnêtement, on va quand même beaucoup à la salle. Je me suis motivée et c'est même moi des fois qui ai envie d'y aller puisque j'ai pris l'habitude. Mais là, j'assume plus. Mon corps me dit stop. J'en peux plus. Là, j'ai commandé mon CP. Je vais mettre la télé et je ne bouge plus du canapé jusqu'à au moins ce soir. Voilà. Et ce soir, ils veulent qu'on aille jouer à la pétanque. J'en peux plus. J'en peux plus. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, oui, je me suis un peu reposée cet après-midi. Là, du coup, on va peut-être ressortir ce soir. Les garçons veulent aller jouer aux boules. Mais c'est pas encore sûr, c'est pas confirmé. Du coup, je vais en profiter là en attendant pour me faire mes petites bandes crest, les 3D White. Donc, il y en a qui connaissent, il y en a qui connaissent pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les meilleures bandes blanchissantes au monde qui livrent donc en France. Et vous pouvez les recevoir. Donc vraiment, celle-ci a laissé poser 30 minutes sur les dents. Vous allez voir, c'est un truc de malade. Moi, c'est grâce à ça que j'entretiens les bandes crest. Je crois que je les ai commencées. Je devais avoir peut-être 20 ans. J'en ai bientôt 28. Donc ça marche très, très bien. Et surtout, bah, moi, du coup, comme j'ai fait les cures déjà il y a très longtemps, maintenant, c'est uniquement de l'entretien. Je le fais une à deux fois par mois ou des fois un peu plus. Ou des fois un peu moins. En fait, en fonction de vos besoins. Mais pour les personnes qui commencent, je vous conseille de faire la cure de 20 jours. 30 minutes tous les jours. Et vous allez voir la teinte de vos dents. Je vais vous montrer des avant-après. C'est incroyable. Donc celles-ci, il faut savoir qu'elles sont très fortes. Donc pour les personnes qui ont les dents sensibles, je vais vous donner une alternative après. Là, je pose juste mes bandes. Donc, les dents du haut. Et les dents du haut, c'est tout. Et voilà. Et vous laissez poser pendant 30 minutes. Et pour ça, justement, qui ont les dents quand ils boivent de l'eau chaude, de l'eau froide, peu importe, vous sentez des douleurs, vous avez les gencives fragiles, prenez celles-ci, elles sont à base de charbon actif, donc elles sont tout autour. C'est le Glamorous White, pareil, de la marque 3D Crest. Pour moi, vraiment, leur produit en termes de blanchiment dentaire, entretien, c'est vraiment le top. Voilà, le dent sensible ou si vous avez les dents nickel et que vous pouvez y aller, prenez les crestes, c'est vraiment celles qui vont vous donner le résultat le plus rapide et le plus efficace. Vraiment, elles sont trop, trop bien. Et j'ai...
Encore. Ah, dommage. Sinon, petit point bouton pour vous montrer l'évolution. J'avais eu quelques boutons qui étaient apparus ces derniers jours. Donc, je pensais que c'était dû à mes règles. Mais en fait, je n'ai jamais eu de boutons à Paris. Et depuis que je suis à Dubaï, j'en ai souvent. Du coup, d'excès de sébum, du fait que je fasse du sport et que j'en faisais pas du tout à Paris non plus. Du coup, bah, j'ai tendance à avoir des petits boutons qui viennent sincer mes boutons. C'est notre passion dans notre couple. Voilà, à chaque fois que j'ai un bouton, il me dit bébé, s'il te plaît, laisse-le-moi, laisse-le-moi. Et si je le laisse pas, il fait la gueule. Du coup, j'en paye les conséquences. Mais en tout cas, voilà, je commence un peu à retrouver une peau normale. Si on peut dire ça, j'espère que ça va quand même s'estomper les petites traces que j'ai là. Je me maquille pas du tout, je suis comme ça en fait, naturelle, juste du mascara toute la journée parce qu'avec la chaleur, le fond de teint et tout, je me dis que c'est pas possible. Et puis même, c'est insupportable d'être. Du coup, c'est vrai que honnêtement, le climat ici n'aide pas à avoir une jolie peau. Du coup, j'en subis les conséquences et c'est tout le temps sur cette zone là. Donc, je sais que c'est une zone aussi hormonale et que dernièrement j'étais assez déréglée. Donc, peut-être que c'est dû à ça, mais. Pin-up m'a bien séché aussi les boutons et là reste plus qu'à ce que les petites plaques partent, mais bon, soleil, chaleur, transpi, je vous explique, ça aide pas du tout. Donc bon, on va faire avec. Hein. Mon chéri vient de m'appeler et m'a dit qu'il venait me chercher en mobilette. Du coup, let's go. Bon bah au lieu de la pétanque, maison, Netflix. Ce soir, tu vas jouer avec d'autres boules. Bébé, enfin.